Pour être pasteur, il faut être patient et endurant à la souffrance. On lutte constamment contre la faim, la soif, la fatigue. Par exemple, ici, il n'a pas plu depuis 4 ans. Alors, pour que tes animaux survivent, tu les conduis là où il y a des pâturages, sur des kilomètres et des kilomètres. Mais il faut aussi les abreuver. Tu peux passer une journée entière autour d'un puits, parfois même 2 jours, sans pour autant abreuver la moitié de ton troupeau. Pour toutes ces raisons, il faut de la patience et de l'endurance. Il y a quelques jours, je me suis fait mal au bras en tombant de cheval. Je ne monterai plus jamais ni sur un cheval, ni sur un chameau. Je ne veux pas être pasteur, mais instituteur. Une fois ton animal abreuvé, il ne connaît plus de limites. Il avance là où son instinct le guide. Et toi, si tu ne veux pas qu'il s'égare et qu'il devienne la proie facile des voleurs, tu dois être très vigilant. Les conditions de vie d'un pasteur sont particulièrement difficiles. D'habitude, les nomades, naturellement, les nomades se déplacent, ils ne restent pas fixes. Tantôt, vous nous trouvez ici, tantôt, un autre lieu, on se déplace avec les animaux. Maintenant, on commence à avoir des idées de rester fixe, choisir un lieu définitif, rester fixe et garder une petite partie du troupeau. Ce n'est plus l'élevage d'antan où l'éleveur ne vit que des produits de l'élevage. C'est-à-dire qu'il vit des lait, des viandes, et il vend une ou deux bêtes pour acheter son mille et autres, et c'est tout. Non, ce n'est plus ça. Maintenant, les animaux ne se multiplient pas tellement. Nous savons que notre intérêt se trouve dans la diversification. À côté de l'élevage, nous souhaitons avoir une autre activité génératrice de revenus comme le commerce des bêtes. Mais nous avons besoin d'appui pour pratiquer un commerce adapté à notre mode de vie, un commerce profitable. Mais nous manquons d'expérience. Actuellement, nous sommes en période de sécheresse. Le manque de pâturage cause beaucoup de problèmes au bétail. Ce dernier a dépéri. En plus de cela, il y a les maladies du troupeau. Il y a celles que nous appelons AQD ou MIMI,
Une de mes vaches en est morte il y a 2 jours. Lorsqu'elle est atteinte de cette maladie, les yeux de l'animal s'enfoncent dans leurs orbites. Elle maigrit, ne broute plus, ne boit plus et se lèche les narines jusqu'à ce qu'elle devienne sèche. La peau durcit et elle finit par mourir. Issouf Zangui est le seul agent de santé pour toute la commune rurale de Tesker qui est très vaste. Il réside ici, à Boultoum. Lorsque nous nous adressons à lui, il vient parfois traiter nos animaux, mais bien sûr quand il possède les médicaments. C'est pas vraiment facile, il faut voir dans le PA de Tesker, il y a pratiquement 3 postes qui existent, mais dont il n'y a aucun agent. Vous allez à Tesker Ville, vous avez le centre pastoral de Tijra, vous avez le centre pastoral de Yougoum. Donc là, il n'y a aucun agent. Avant, c'était occupé par des agents, mais maintenant, il n'y a pratiquement pas d'agent. Donc l'éleveur doit prendre en charge tous les coûts, je vous dis tous les coûts. Donc les frais de vaccins et traitements, le déplacement de l'agent, donc le carburant de la moto par exemple. Dire qu'aujourd'hui la vie des pasteurs elle est précaire. Je n'exagère pas sur les mots du fait que l'élevage ici est basé sur la mobilité. Cette mobilité elle est aujourd'hui un peu handicapée du fait que les couloirs sont bouchés par endroits. Retrécit quelque part et il y a de l'intolérance au niveau des agriculteurs et de l'autorité. Non. Ça, c'est une explication très plausible, très claire. Donc, tu as un garçon. Donc au niveau de la COFO, nous n'avons pas les moyens aujourd'hui. Et au niveau des associations, ils n'en ont pas. Mais le jour où nous aurons les moyens, nous allons effectuer une mission de contrôle, de mise en valeur sur l'ensemble de ces couloirs et aires de pâturage au niveau de toute la communauté urbaine de Zender. Est-ce que nous, les pasteurs, nous sommes unis? Est-ce que nous, les pasteurs, nous voyons comment est-ce que nous voyons l'avenir de notre pastoralisme? Et c'est à nous de régler ces problèmes-là. Et maintenant, quand nous on arrive, l'État ne peut être qu'un régulateur. Les pasteurs doivent s'organiser. En s'organisant maintenant,
Et là, on peut demander une subvention à l'État. Peut-être une subvention, que ce soit financière, peut-être une subvention de moyens de pouvoir nous faciliter les tâches en pouvoir commander, faire des commandes dans des pays étrangers. Ça, c'est, ça ressort de l'État. Si on a besoin d'un agent vétérinaire, ça ressort de l'État. L'idée maîtresse doit être, elle doit repartir de nous. Donc maintenant, en montrant à l'État, voilà ce que nous voulons faire, l'État peut nous aider dans cette tâche. Nabi ay, Nabi ay, Nasaraji na chido.